Voilà l'aventure que s'apprête à vivre Jean-Paul Meyer dès demain. Mais à quelques jours du départ, il est encore dans l'atelier de son garage à changer une ampoule. Ah là, au Maroc, c'est peut-être pas ça qui nous attend. Pas que ça en tout cas. Je pense que ce sera plus compliqué. Ça peut aller jusqu'à des démontages et remplacements de moteurs complets. Donc ça va être autre chose. Là, on a tout sous la main. Il y a juste à tendre le bras pour avoir les outils. Bon, bah là, on va avoir des caisses à outils chacun, mais il va falloir se débrouiller. Et puis, on n'aura pas forcément tous les outils que l'on peut avoir dans un atelier. Donc il faudra se débrouiller. C'est ça qui va être intéressant et peut-être marrant aussi des fois. Le tout dans des conditions particulières. Il peut intervenir en pleine nuit, dans des températures très basses ou encore au beau milieu du désert, avec les inconvénients de la poussière. Mais Jean-Paul Meyer, directeur du garage depuis 2001, n'a... même pas peur. Son quotidien est un peu plus calme, quoique. Il partage son temps entre l'atelier, son bureau et le magasin pour gérer son équipe de 30 personnes. Cela fait déjà quelques années qu'il aide les participants du 4L Trophy en leur donnant du matériel ou les aidant sur certains aspects techniques. Cette année, il se lance dans l'aventure avec beaucoup d'enthousiasme. Côté bagages, Jean-Paul Meyer a pensé à quelques essentiels. En porte-bonheur, j'ai préparé, ça va vous faire rire, j'ai préparé une lampe témoin. Donc c'est pas un outil de diagnostic électronique hein, pour les 4L, c'est une lampe témoin branchée sur la batterie avec une lampe pour vérifier différentes choses sur le moteur. Un tournevis, une clé de 12, voilà pour l'instant c'est ce que j'ai préparé. Après aussi un duvet parce que les premières nuits sont très fraîches, on est dans l'Atlas donc à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, a priori il neige actuellement. Comme lui, plus de 80 mécaniciens accompagneront les équipages. Au total, ce sont environ 250 personnes qui se relaieront jour et nuit pour assurer la sécurité des participants.